pas rassuré par ça là. Non, non, s'il te plaît, merci. Ok. Voilà. Non mais faut quand même beau battre. Ok, ça va être un peu lent parce que j'ai eu peur que mes soldats meurent. Du coup je vais peut-être perdre 10 secondes sur la mission. Je peux le tuer quand même, j'ai pas envie que mon canon meure. Ok, j'ai sûrement perdu du temps. C'est pas très grave. Allez. Ok, on va faire l'armée et on va attaquer. Ensuite, on envoie un dada et ça sera la fin de mission.
Nickel, j'ai perdu qu'un seul soldat. Bonne mission. Alors là, il y a un tuto, faut dire non. Voilà. Oh, je suis pas content là. Flashback d'Inzaghi. Pas avoir le skip. Je vais perdre beaucoup de temps là. Sûrement 30 secondes de perdu, je pense. Je sais pas ce que mon cavalier a fait, mais il a rien fait. D'habitude, le cavalier, il attaque l'autre cavalier, c'est tout se finit comme ça. Mais là, il a fait de la grosse merde et ça m'énerve. J'ai envie de reset la run juste pour ça. Vraiment, j'ai vraiment envie de reset toute ma run. Tellement il a fait de la merde, le cavalier. Là, je perds au moins une minute. Facilement une minute sur cette mission. Putain, cavalier de merde, il est parti vers le nord alors que j'ai envoyé vers en dessous. Je l'ai envoyé au sud. Et il est parti au nord. Je ne sais pas pourquoi. À cause de lui, je perds une minute. C'est un peu frustrant, là. Ouais, 40 secondes de perdu juste à cause d'un cavalier qui fait de la merde. Putain, il a recapturé un stand, j'espère que ça va suffire ce que j'ai envoyé là. Ok. J'ai eu presque un peu hors là. Reste là-bas, je t'en supplie, ne bouge pas. Ne bouge pas Inzaghi, n'affronte pas le boss en face à face. Il est trop tôt encore. Je peux pas soigner son mec là. Qui a pris trop cher. Et faut que je m'occupe du monstre maintenant. Fais chier. Je vais aller au monstre. Avant que Inzaghi ne fasse de la merde et... C'est bon, il se bat.
fait chier là par contre, je suis vraiment dans la merde, je sais pas comment j'ai fait pour me mettre dans la merde comme ça. Et là je suis vraiment en retard sur le DPS du monstre là. Je vais checker comment il se débrouille en bas. Et ça a l'air d'aller. Ok, ça devrait être bon. Il devrait mourir bientôt le boss. Voilà, on le tue vraiment en retard. D'habitude, on le tue, il est plutôt là où je suis, là, actuellement. C'est pas grave. Donc là, on donne plus d'XP à Lan. Hop, un petit peu plus, voilà. Parfait, c'est ce que je voulais. Pardon, j'avais fait pire sur mon PB. Très bien. On va vite sauver les bateaux. Ok, les 4 sont là. Allez me capturer ça. Vous allez vous stopper ici. Inzaghi va aller attaquer la flotte ennemie. Là, on va aller refaire le plein de bateaux. Comment va mon bateau là, mon cavalier? Ok, il va bien. Alors, l'âne va se diriger là-bas. Il va pas capturer tout de suite, il va juste s'y diriger. Inzaghi va attaquer les cavaliers. Quand Inzaghi est prêt,
on le déplace là. L'âne capture. Et on termine la mission. Alors là, si j'avais pas posé mon cavalier, la ville à gauche se ferait prendre à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle on a un cavalier. C'est pour tuer les petits soldats qui essaient de reprendre la ville. Pas comme ça. Ça me va. L'anisagi, comme d'hab. Tac. On pose un petit bateau à droite, à gauche. On capture la ville à droite tout de suite. J'envoie que 4 personnes et je vais avec Napoléon. Ok, il est encore loin le bateau ennemi, on a le temps. On va le bloquer. Voilà. Hop, tu vas attaquer la barricade là-bas. Je vais continuer de me préparer ma défense. Tac. Pendant qu'il attaque la barricade, on va préparer les 4 infanteries sur l'âne. Non, non, non. Reviens par là. Bon, ça c'est pas nécessaire, mais bon. Ok, dès que ça s'est détruit. Tac, capturer la ville à droite. Le bateau il va bien, oui. Là-bas c'est pareil. Il y en a un qui a pris un peu plus cher. On prépare la prochaine armée. Hop, les 4 là, et lui là-haut. Pendant ce temps-là, l'âne, on le re-remplit. Nzagi va attaquer les 2 cavaliers. Et capturer la ville.
Très bien. Allez. Non, pas Inzaghi. Oh putain. C'est chier ça. Donc là, n'aura pas d'XP ici. Inzaghi. Canon. Ça y est, il a fini. Capturons tout ça. Inzaghi, hop. Ogero, la même chose. Non, 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 ne va pas tout de suite. Ah, ça me fait peur là. Ok, je crois qu'il n'avait pas réussi à capturer. Ok, direct au Géro, on va lui dire d'aller là-bas. En ce temps-là, on va construire l'armée de Lan et Inzaghi. Ensuite on soigne un peu. C'est bon, lui c'est bon, lui il donne un peu de vie. Pareil pour Inzaghi. On le met bien droit. Voilà, comme ça. On va aller voir comment on se débrouille notre ami. Ah, trop de sang cool. Non. On va le ramener full HP. Trop de sang cool. Ah bien. Dès qu'il arrive là au Géro, on envoie le reste. Ok. On envoie tout. Ok, je vais chercher l'objet. Dans 3, 2, 1, maintenant. Je l'ai pris trop tôt. J'ai peur que ça suffise pas. Il nous faut des crits de la part de Ogero si possible. Ok, ça va. Perdu une unité, ça va encore. Yeah.
Non, pas Inzaghi. Nick. Putain, je suis vraiment pas content là. Inzaghi, il me casse les pieds tout le long là. Il ne veut pas être content, Inzaghi. Ça commence à ça long de m'énerver. J'ai détruit les trois. On va tirer là. J'ai tiré là, je crois. Ok, je devrais au moins en détruire un ou deux. J'en ai détruit trois, je crois. Encore mieux que prévu. Ok, il est très bien placé au Géro, je crois, ou je dois le déplacer un tout petit peu. On va juste le décaler quelques centimètres en bas, voilà. Reste là, toi. Ok, mon canon est prêt. Je m'en vais de ça, petit troll. Je crois que je vais faire un perfect ce shot là. Non, 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 putain, je voulais pas invoquer une cavalerie, bordel de merde, comme d'abord. Au secours. Soit ça devient dangereux parce qu'il viendrait invoquer 4 canons. Heureusement que c'est au Géro. Très bien.
Alors, toi, là. Toi, ici. Toi, canon sur toi. Et à gauche. Direct, on peut capturer ça. Alors, Inzaghi, comment vas-tu? T'as pris quelques dégâts, mais ça va. Alors, Inzaghi, tu vas pouvoir aller vers le nord. Ce sera suffisant là. Ogero, tu vas t'occuper du cavalier. Comment ça se passe pour Champollion là? Il est où? Ok. Tout va bien. On va soigner au Géro vite fait. Je sais plus s'il faut que je garde un mec en bas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va spawn à gauche ici. Je m'en rappelle plus du tout. Je vais regarder comment il va. Après le dernier génie. Mais non, mais il est parti escorter le génie, il est pas parti sur le. Ok, il y a rien à gauche, rien à droite. Non, c'est bon. Donc là, un ou deux tirs. Tout est clean à droite, tout est clean. Ogero, tu vas te déplacer vers ici. Inzaghi, je vais prendre le temps de le soigner. Et Inzaghi va clean le camp là-haut. C'est une escorte donc il n'y a plus grand chose à faire à partir de ce moment là. Toi par contre non. Ok, donc je l'ai envoyé trop tôt. On n'a pas de temps à gagner vraiment donc
Voilà pourquoi on l'a mis, sinon il y a le cavalier qui vient. Et là, il y a des vagues encore qui arrivent un peu à droite de temps en temps. Il est en train de décliner aussi. Et ensuite, on est bon. Plus qu'à attendre Champollion. C'est pas la plus courte des missions comme ça. Allez, c'est bientôt la fin, dès qu'il approchera de la dernière pyramide. Ok, faut que Ogero soit content. On va genre faire ça. Ah, il me fait chier là, Ogero. Unzagi, je veux dire. Parce que vu que c'est une mission solo la prochaine et qu'on prend Unzagi, faut quand même qu'il ait un peu de morale pour faire plus de dégâts. J'essaie de les bait un peu pour séparer leur groupe. Voilà, comme ça l'attaque est moins violente, on va dire. Alors on prend le canon, on attaque ça. C'est combien de tirs? C'est 7 tirs. Parfait. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, j'attaque ces deux personnes. Cette fois-ci. Dans mon training, enfin dans mon routing, pour écrire les notes, j'avais fait la mission trop vite et j'avais pas tué ces deux-là, du coup, j'ai dû faire un petit backtracking pour aller les tuer. Alors le groupe là-bas peut être dangereux. Là, il faut bien penser à les attirer avant. Hop, on essaie d'en prendre un petit groupe de 3, voilà. Allez. Voilà, on essaie de les tuer progressivement. Ah, c'est bien comme ça là. Les canons, ils ont fait bien fait leur boulot. On approche de la barrière.
Le canon, on demande d'attaquer. J'ai oublié de compter. On va dire que c'est le dernier là. C'était pas le dernier. Tape un coup, ça devrait suffire. Ça n'a pas suffi? Bon, ok. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, l'IA. Ça devrait se rattraper quand même, j'espère. Cavalier à la vie dans le rouge, par contre. Non! J'ai perdu une unité, je voulais pas. Bon bah, de l'XP en moins. C'est pas grave. Ah, de plus, j'avais pas un moral très élevé sur Inzaghi, du coup, il faisait pas très mal. C'est sûrement ça qui me fait perdre du temps sur cette mission. Sauvegarder parce que le prochain fight est assez difficile. Ok, donc. Un. Deux. On va vite sur Inzaghi. Inzaghi, Ogero. Vite! Ouf, c'est passé. Trop tôt? Ok. Voir un peu. Ah, ils ont recapturé direct. Au secours. Ah, il y a eu un critique d'Ogero déjà. Bon, je le sais, le boss a déjà la vie dans le rouge. Ok, il faut que je recharge un peu mon énergie. Oh putain, il me fait peur. Non, mais quel fils d'enculé de tam... Pardon. C'est juste que voir un allié se dire... je vais faire bisous au boss, ça ne fait pas plaisir. Tiens, va-t'en. Reste là. En plus, c'est l'allié dont j'ai le plus besoin. Vu que c'est celui qui me procure l'énergie. Au secours. Voilà. Inzaghi, vite. Remonte avec les autres. Si tu retouches la tête, je t'éclate la tête. Non, 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 mais putain, mais j'en peux plus, je vais lui éclater la gueule. Pourquoi? Pourquoi vous faites des câlins à ce boss? Mais pourquoi? Vous savez que le seul moyen de mourir, c'est de le toucher. Alors pourquoi vous le touchez en boucle? Oh là là, mais... quelle IA de chiasse! Putain, ils sont obligés de faire ça pour faire demi-tour, ils doivent faire ça! Ouais, je fais demi-tour, je m'appelle un général, waouh! Putain, mais... ce pathfinding de chiasse, quoi! Putain! Ce fight, il peut se terminer en 3 cycles, mais non, il faut faire 20 cycles parce que messieurs veulent faire des bisous au boss! Et hop là, 50 points d'XP en moins, à cause de cette merde. Allez hop, rassemblez-vous. Voilà. Là, ils sont bien écartés.
Ils ne tapent pas, ça y est, ils commencent à taper. Ils ont mis 3 coups, voilà, ils ont décidé de... De regarder le boss et se dire, ah oui, c'est un boss. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Alors cette fois-ci, vous attaquez s'il vous plaît. Ou je vais perdre toutes mes bases et là je vais péter un câble encore plus. Oh là là, ce boss. L'un des pires boss du jeu. Le deuxième pire, on va dire. Il y a pire que lui, mais... Parce que tant lui, pour que Napoléon meure, ça, c'est dur, mais il y en a un qui c'est un peu plus chiant. Putain, et j'arriverai pas à battre mon gold, alors que le gold est battable d'au moins 30 secondes. Allez, c'est pas grave. On est quand même en avance. Ah, mon but c'était faire un 2h15 à peu près. Mais bon, là ça va être un peu plus compromis. C'était la mission où j'avais beaucoup de temps à gagner. Alors là, on est au 0. Hop. Au 0 juste là, ouais. Le retour de la Marseillaise. Hop, on va remplir l'âne de soldats pour la suite. Ogero peut continuer son chemin. Dès qu'il est assez près, on va l'envoyer détruire les deux canons. Pendant ce temps-là, je vais construire les génies. Ok, toi t'es rentré trop maintenant. Les rapprocher. Là, on va le mettre là pour l'instant. On attend d'avoir le canon pour balancer un bon boulet dedans. Dès que ça explose, on y va. Attends un tout petit peu et... Maintenant. Ça ne tue pas tout le monde, je crois. Bon, il en reste 2-3 en vie. C'est quoi, Gero est envoyé en premier pour clean un peu le reste. Et là, le respawn. Et on prie juste que... Allez, les soldats capturés, capturés là. L'âne, capture. Merci. Ils ont recapturé derrière? Non. Ah, j'ai eu peur qu'ils aient recapturé leur base directe. Ok, ça va. Plutôt bien passé. Ok, il faut que Ogero soit au moins très content. Donc, hop, là, on aura un peu moins d'XP. Quoi? Non, 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 non. Mais quoi? Je te donne 80% d'XP, t'es pas content? Ok, il aura quasiment 100% d'XP à la prochaine mission, Ogero. Peut-être 95% d'XP, ce sera à lui.
Sinon, je n'ai pas son flashback, ce qui donne 600 points d'XP quand même sans flashback. Hop, on place les personnages, tac. On les équipe de canons. Ok, donc je fais attention. Il y a un timer à faire. Ok. Voilà, j'ai plus de thunes. Donc à 2 minutes 40, il faut que je sois sur le canon de droite. Pour pouvoir tirer ici. Non, c'est là, je crois peut-être. Je crois que c'est là. Ouais, ici, il y a 2.40, il faut que je tire ici. C'était là. Ouais, c'est là. J'ai tiré un peu en retard, mais bon, ça devrait quand même être bon. On peut tirer une seconde en retard ou deux. Vu que c'est un groupe de plusieurs. Parfait. Ah, c'était peut-être même mieux. 39, voilà. Ok, le prochain c'est à 1.47. Ce sera avec celui de gauche. Ok, sur l'arbre là, à 1.47. Petite seconde en retard là, j'espère que ça va pas être pénalisant. Est-ce que c'est pénalisant? Pas du tout, ça marche aussi. Le prochain c'est à 44 secondes, donc on a un peu de temps. Je peux tirer ici en attendant. Ça peut être touché, mais genre. Ce groupe là, on peut s'en occuper à la main. C'est-à-dire en envoyant l'âne et au Géro s'en occuper. Ok, 44 secondes, je dois être prêt. Là. 44, hop. Donc là, on envoie l'âne et au Géro s'occuper de ce groupe là. Voilà, ça a touché quasiment tout le monde. Et ensuite, on les renvoie vers eux, qu'on a blessés. Et là, dans tous les cas, ils peuvent pas rejoindre la base. Le but, c'est d'en tuer un maximum pour l'expérience. Allez, encore un. Ah, il est full HP celui-là, je crois. C'était une mission timée, du coup il n'y a aucun gain de temps possible. Ok, vu que Ogero n'a pas le moral à fond, il ne pourra pas one-shot les soldats dans son flashback. Ça va me faire perdre un peu de temps, environ 30 secondes. Voilà, donc si t'es pas content là, je t'emmerde. Merci. Donc là on va avoir le gain de temps, enfin le temps perdu on va dire.
Normalement, c'est du one shot s'il a le moral à fond. Hop, tu me fais la même chose avec celui-là là-bas. Je sais plus, il est où le bonbon? Je crois qu'il est là-bas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour prendre... Ah non, j'ai un dit. Donc là, on le déplace bien en centre-ville. Ne passe pas par là. Ne passe pas par là, s'il te plaît. Passe à gauche. Merci. Pourquoi on le fait déplacer en centre-ville? Parce qu'ici, il va y avoir des canons qui vont apparaître. Et les canons ont une portée minimale. Ils ne peuvent pas tirer si... S'ils sont trop proches des ennemis. Plus que le général ennemi, ça sera bon. Tu critiques ou tu veux pas? Tu veux pas, très bien. Alors le général est très très fort, hein. C'est pour ça que je ne soignais pas Ogero ou un truc comme ça. C'est que le général ennemi me tue en deux coups, Napoléon. Donc le temps perdu de ne pas avoir le moral à fond, on va l'avoir tout de suite. Hop là, les 350 d'XP, ça je dis oui. Voilà, avoir le moral à fond, ça fait gagner environ 30 secondes. Ce qui est pas mal en vrai. Allez, Jeanne d'Arc, c'est parti. Inzaghi, Ogero, yes, c'est parti. Là, on va remplir Murat et Inzaghi de canons. Et dès que on aura tué la vague d'ennemis des cuirassiers, on attaque le boss. Du-du-du-du. Let's go. On va envoyer Ogero tout pour l'instant. Puis on envoie le reste. Par contre, là, tu vas peut-être crever, Ogero, là. On se sert de la potion pour tanker le boss. Parfait. J'ai perdu aucune unité, très bien. Pas de perte d'XP. Bonne mission là, franchement. Peut-être moyen que je gagne du temps là. Ogero un tout petit peu, et beaucoup à Inzaghi. J'ai envie que Inzaghi gagne du moral. Pour l'instant, j'ai pas eu de double morale, c'est très chiant.
gain de temps. Non. Ogero, Rosset, Davou. J'ai peut-être mis un peu trop loin, elle. Voilà. Tac. Tu m'attaques ça. Ta-da-da-da. Ok. Toi, tu reviens ici. Vous allez vous rapprocher le plus possible. Ta-da-da-da. C'est quoi l'objet là-bas? Ah, mais ça c'est un truc que je cherchais en fait. Ok. Je savais pas qu'il y en avait un sur cette map. Où je peux faire ça. Ça me fait gagner un peu de temps. Ok, c'est capturé. Alors, est-ce que tu peux rejoindre Davou, s'il te plaît? Parfait. Maintenant que t'es là, tu vas faire le tour par en bas. Ta-da-ta-da. Hop là. Hop là, il n'y a plus aucun arbre, hein, on est d'accord. Ok, bon bah lui il peut revenir là. Là voilà, en ligne avant vu qu'il tank. Ça c'est fait, le génie. Il est où là? Ah oui, je l'ai envoyé en bas. Je vais direct l'envoyer au pont. On va se créer une petite armée de 4 infanteries là-haut. Attends, j'ai cru qu'il allait mourir le génie. Si le génie meurt, la fin de la mission est finie. Enfin, elle n'est pas finie, mais il faut que je reperde 2 minutes pour aller en rechercher. Hein. Ok, vous êtes bien niveau HP? Oui. Maintenant, ça semble bon. Voilà, petite attaque surprise, tac. Je pense que la strat était mieux cette fois. Parfait. Ah oui, quand même, 30 secondes de gagner, c'est pas mal. Inzaghi, Lan et Ogero. Alors, Ogero, tu vas te mettre là. Il
Umzagi, tu vas te mettre ici. Lan, tu vas aller là-bas au niveau de la ville. Non, je m'en doutais, donc j'ai bien fait de renvoyer un bateau en plus. Arrête-toi, merci. Ok, pendant ce temps-là, on remplit l'âne. A-t-il détruit tout, lui? Et putain, non. Heureusement qu'il n'avait pas tiré le canon. Ok, je peux capturer la ville en bas. Donc là, on capture toutes les villes pour l'XP. Et que c'est pas non plus trop long de le faire. Ok, il va s'occuper des canons en bas, lui. J'espère que ça va suffire et pas que je renvoie d'autres gens. Allez, le soldat, merci. On va capturer la ville en bas. On va recapturer les deux trucs ici avec de l'infanterie, ça coûte pas cher. On est sûr de ne pas la reperdre. On remet des bateaux sur l'âne. Nickel, on a capturé la ville. On va envoyer l'âne capturer la capitale et ce sera fini. Là, il faut que je rush Ogero pour lui dire de détruire les galéons. Tenir le coup, Ogero, vas-y. Voilà, avec de la chance, on va peut-être gagner un kill en plus. Non. C'est pas grave. Bon, bah, la mission était bien. Et après, nous avons la pire mission du jeu niveau lenteur, Babylone. Elle prend 10 minutes à faire, à peu près. Ou un peu moins, un peu plus, un peu moins, à peu près. Ok, l'âne est déjà content. Mais il a besoin de plus d'XP en vrai. Parfait. Ok, enfin, double morale. Parfaitement ce que je voulais, ça, enfin. Là, les morales sont plutôt correctes. Perdu un peu de temps sur choisir les morales. Mais... il gagne quand même 2 secondes. Non, l'âne, Ogero, Davou. Alors l'âne là-bas, Davou là-bas, Ogero à droite, le dada sur l'âne. Préparer un génie tout de suite. Ogero va se mettre là pour attaquer les canons. Mais il a pris l'attaque des canons, mais quels enculés de connards de putain de... J'ai envie de reset tout le jeu là en fait. De prendre la cartouche, d'exploser la cartouche, de racheter un jeu sur eBay. Et de plus en jamais en reparler. Non mais c'est une putain de blague. Il a le cavalier et a couru à travers les 5 canons ennemis, 5-6 canons ennemis, du coup il s'est fait instant kill. Trop marrant.
Du coup, bah, je n'aurai plus aucune défense. Il faudra que je fasse attention plus souvent à Ogero et Davout. Trop bien. Un petit peu plus comme ça. Je vais leur mettre ça. Ils recapturent ? Non, ça. Qu'est-ce que tu fous? Alors, tu vas attaquer la barricade ici. Normalement, on est en sécurité du canon. Tu vas rusher là vite. Vite. Plus vite, merci. Tu vas attaquer la barrière là, ici. Comme ça, on aura notre petit chemin. Tu me détruis ça, s'il te plaît. Putain, ils meurent les mecs en bas. Faut que j'aille les sauver. Comment perdre du temps? Devoir retourner en bas parce que j'ai plus de cavalier OP. On va faire ça, ça va les aider. Il se fait défoncer l'autre là-haut. Oui, il s'est fait défoncer. Ok, très bien. J'ai réussi à le sauver. Ok, bon. Capturons la ville là-bas. Soigner Ogero entièrement, le temps que les soldats arrivent, ça en a un peu de temps. On va le mettre bien. Faut qu'il attaque les 4 canons en bas. Prêt à le rappeler pour s'il prend trop de dégâts. Reviens, reviens, reviens. Il a pris trop cher des deux autres là-bas. Ça l'a démoli. Alors s'il peut détruire celui-là maintenant, ce serait parfait. Reviens, merci. Ok, on va invoquer les génies, construire le canon. Ta-da-da-da. Il vient de perdre son cavalier en bas, je crois. Pourquoi j'entends le bruit du canon? Qui c'est qui s'est rapproché du canon encore une fois là? Dès que le canon est construit, j'envoie Ogero aider mes potes en bas. Pour l'instant là, je profite de le soigner. Ok, go. Tac. Attaque-moi ça. Allez en bas. Comment vous allez, vous deux? Toi, tu vas très bien. Ça a fait boum. Hop. Mission protéger le constructeur est en route. Balala. Ça, ça. Putain.
Ah, le téléphone. Perdre du temps à cause de ça, c'est pas très grave. Son set run était pour tester mon guide. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. On va le profiter pour le soigner. Et dès qu'on a la bonne opportunité, on attaque. Maintenant. Même s'il peut tanker un coup de canon, il peut pas non plus en tanker deux. Il se prend pas le premier. Très bien. J'ai dû perdre quelques frames quoi, vu que je suis en 4G. Ouais, c'est pas très grave. Ok, on va aller chercher nos soldats. Hop là. À l'assaut. Et ça va être bon pour cette mission. Après, c'est vie et mort qui est un boss. On va affronter Nostradamus. Pour enfin quitter cette mission, je crois que c'est la plus longue, elle a duré 10 minutes sur le PB. Je regarde quand même. La résolution est un peu plus longue. Ok. Un petit peu pour lui et un peu plus pour lui. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Double content. Du coup, ils seront morts au maximum. On va quand même sauvegarder vu que c'est un boss. Alors, on prend les big boys. Inzaghi, là, Neo Gero. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Et tu vas là-bas. On va en profiter, on va capturer les bases tout de suite. Techniquement, le boss est déjà mort en fait. Là, je pourrais ne pas capturer les bases et quand même gagner. Mais bon, chaque base capturée, c'est 25 points d'XP gratuit. Il a déjà pris un critique de Ogero, il a déjà la vie dans le rouge. Ok, et j'ai un peu de chance. Il a laissé la base là-haut libre. Du coup, je peux capturer une troisième base. On n'a pas capturé celle-là? Ok, bon, on va la capturer.
Ah, il capture en haut à droite là. Ok, on a capturé tout. Ok. On a toutes ces bases à nous. Petit critique au Géron. Non, c'est juste de maintenir nos bases et c'est bon quoi. Et c'est fini. C'est pas une bataille très compliquée. Ensuite, on va se retrouver sur les îles célestes qui sont bien évidemment au-dessus de Babylone, effectivement. C'est vrai qu'on les avait pas trouvées la dernière fois, mais elles étaient bien là. Elles ont dû tomber depuis. Alors là, si les trois sont contents... Oh, quand même, c'est pas mal. J'apprécie l'effort. Les trois boys. Alors, nouvel ennemi, les espions. Les ennemis qui se camouflent en nos propres soldats. Et le seul moyen de les détecter, c'est d'aller sur eux. Et de se rendre compte que c'est pas notre soldat. Ok, on va mettre de l'artillerie lourde sur nos amis. Lui, j'en ai plus besoin, on va le supprimer. Donc là, dès que je fais 3 canons, je me barre. À ce moment-là, il y aura un espion qui va spawn en bas à gauche. À tout moment, il va arriver. Le voilà. Hop. Tu dégages. On fait une petite cavalerie lourde. Et on va lancer l'assaut sur la base ennemie. Alors maintenant les ennemis ont aussi des golems des monstres tout simplement, qui sont très très forts. Si je me prends deux attaques avec Napoléon d'un golem, je meurs. C'est l'unité la plus forte du jeu, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ok, on a réussi à maintenir tout en vie, c'est incroyable ça. Non, ne prends pas de coup, Napoléon. Ok, je vais me chercher un PE, l'unité qui permet de soigner les amis. Ogero. Hop, on va en profiter, on va prendre l'invulnérabilité ici. On va aller dire bonjour aux arbres ennemis. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Hop, le petit espion. Poubelle.
Va attaquer cet arbre-là, s'il te plaît. C'est peut-être dangereux, là. On va peut-être se prendre le coup de canon. Écarte-toi. Oh, le PE va mourir. Parce qu'il est parti à gauche. Oh, le PE, le porte-étendard. Il est parti à gauche pour une raison obscure. Attaquer s'il te plaît. Recule. Fais un truc, recule. Tiens, tue cet arbre. Voilà, ça sera fait. Tue ce canon. Pierre, pour être sûr qu'il tue tout, je le mets là. Et il va attaquer tout normalement. Non mais tu vas pas faire ça quand même, tu vas pas me bloquer comme ça. Détruis ça s'il te plaît. Reviens sur moi. Putain. Il me fait de la merde Ogero là. C'est rare de le voir aussi mal jouer. Hein. Ok, mid HP ça devrait suffire à tuer 3 canons. Capturer la base finale et c'est fini. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de se bloquer entre eux. Du coup toi tu te décales s'il te plaît. Alors, par rapport à l'espion, l'unité ennemie espion, c'est un ennemi qu'on verra que dans deux missions. Dans celle-ci et dans une mission navale vers la fin du jeu. Non 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 non. Ne tue pas un soldat s'il te plaît. C'était juste. L'arbre one shot un soldat. C'est l'attaque surprise de l'arbre, le fait que de révéler l'arbre en le touchant, ça one shot un ennemi de base. Ça peut jusqu'à one shot un général qui est pas haut level. Je vais sûrement perdre encore un peu de temps ici. On va refaire la même chose. L'âne, j'ai besoin qu'il perde un peu d'XP. Enfin, de morale. Mais bourru, mais putain, l'enculé de... Ok, il aura 0 XP prochaine mission, l'âne. Je veux pas qu'il gagne de l'XP. Parce que j'ai besoin de ne pas avoir son flashback. Et si j'ai son flashback, on perd 5 à 10 minutes. C'est un flashback qui est très long. Alors, Ogero, tu vas là. Lan, tu vas là. Nzagi, tu vas là. On capture la ville à droite direct. Hop. Donc là les ennemis vont recapturer de temps en temps cette ville. Ouais, je pense à la décapturer entre guillemets. Et lui il est trop... Voilà, un petit peu plus à gauche. À recapturer vite fait la ville là, ça sera fait au moins.
Ok, il est full HP du coup le PE. On va changer de cible, hop. Bon, lui, on va le laisser capturer. Ok. Niveau PV, toi c'est bon. Donc on va re-soigner l'autre. Je veux juste qu'il se décale de 2 cm à gauche, voilà. Comme ça, la formation est un peu déplacée. Hop, on n'oublie pas de recapturer la ville. Ogiro, il est encore bien niveau vie. Il va juste aller là pour tuer les messieurs. Ok, ça a l'air d'aller au niveau PV, donc hop. Ok, tu vas retourner sur Inzaghi qui a pris très cher. Il a perdu un cavalier, d'accord? Ok. C'est compréhensible vu qu'il a affronté un golem. Le golem, c'est bien sûr l'unité la plus forte du jeu. Hein, donc, Vite, recapturer. Ok. C'était close. On va recapturer full. Ça, on est sûr qu'on se fait pas avoir. Ok, il est full HP. Tu retournes sur l'âne. Comment va Ogiro? Plutôt bien. Ah, j'ai reperdu un... Oui, un cavalier. Normal, c'était contre un golem. Bon bah ça va finalement plutôt bien passer. Alors LAN 0 XP. S'il a encore trop de morale, je devrais le prendre pour la prochaine mission. On va lui donner 20 quand même. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Prochaine mission, j'espère faire un one, un ou deux cycles sur le boss. Inzaghi, Ogiro, Davout. Est-ce que j'ai réussi à l'amener dans l'eau direct ou pas? Non, ok, c'est pas grave. Dis-moi que l'eau va s'arrêter à ce moment-là. Évidemment que oui, évidemment que oui! Et il est en pleine route pour tuer mes soldats! On va faire ça parce que là, merci, ça ira plus vite. Voilà, ça va plus vite de faire ça là. Perdre du temps sur cette mission, là peut-être 30 secondes de perdu, je pense. Allez, vite, 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 vite. Est-ce qu'il a eu le temps de me suivre là? J'espère qu'il va dans l'eau. Nickel, allez, l'eau. C'est bon, il est éteint. Tu t'arrêtes sur moi.
tu viens ici. Booste le moral. On le ramène vers la flotte là-bas. Ah, il a pas touché l'eau, donc on va faire attention. Non mais vous allez pas encore me faire ce coup-là. Arrête-toi! Merci. Reviens. Ok, ça sera un... Oh, j'ai eu un critique. Il y aura... Ça sera un 3 cycles, sûrement. Tête est dans l'eau. Très bien, tu t'arrêtes. Tu reviens. Parfait. Le fight, c'était correct. Sachant que si on a deux crits d'affilée avec Ogero, c'est la mort du boss. C'est pour ça que c'est possible de le faire en un cycle. Oula, ouais, on va perdre du temps parce que j'ai dû restart la mission. Zagi Ogero et l'âne est pris par défaut parce que l'âne peut posséder les monstres. Alors Ogero, le canon du bas. Inzaghi, le canon du haut. Petit PE sur le LAN pour l'instant, ça sera fait au moins. Ah, la musique des enfers, j'aime bien. Ah si, c'est pris le coup. Ça va, il peut tanker. Ah, dès que le canon est détruit, il va aller là. Pour bloquer les attaques ennemies. Quoi qu'en vrai, on s'en fout un peu. Et infanterie. On voit 5 pour être sûr. Inzaghi va rejoindre les rangs de la bataille. Le PE va aller tout de suite sur Ogero pour le soigner. Et sans perdre de temps, il va aller attaquer là-bas. Parfait. Petit critique. Il s'est tué ses propres soldats, c'est pas de chance. Petit critique. Ah, dommage. Là, ça aurait été joli, un troisième critique. Parce que même pour Ogero, c'est dur de tuer un golem. Ok, son PE a pris cher. Je vais le soigner un peu. Et il va attaquer les dernières unités. Pas de critique. Si, un critique, mais c'était vraiment sur la fin de vie du boss. Enfin, du monstre. Hop, je m'approche pas. Je sais plus où explose le truc, donc. Dans le loot. Ok, remets-toi devant, s'il te plaît. Voilà. Capturons tout ça. Je peux les avancer un peu pour avoir une défense un peu plus avancée.
Alors, en 1v1 contre un golem, il se fait tuer. Corps à corps, comme ça. Là, il a réussi à le tuer, mais... Il a vraiment plus de vie, là. Ah, putain. Approchez-vous, défendez-les. Ah, il s'est quasiment fait tuer. Alors qu'il se faisait soigner en boucle dans tout le fight. Hein. Non, non, t'approche pas, je vais me prendre un coup sinon. Au moins la base sera capturée instant. Hop, on construit le canon. Hop là, il s'est pris son propre attaque. Enfin, sa propre attaque, ça fait plaisir. Hop là, on va prendre un petit dernier golem, hein. Pourquoi pas? C'est pas cher. On détruit le canon géant. Et un petit tir dans le tas après. Et on y va. J'attends que ça tire. 3, go. On se lance au final. Ouais, une Zeggy ne sera pas nécessaire, je pense. Garde-toi un peu, au cas où il y a eu des golems qui apparaissent. Ok, ça a bien passé. Donc 0 XP pour Lan, sinon j'ai son flashback. Enfin, je peux lui donner genre 50 points d'XP, ça devrait pas le rendre faire plaisir. Hop, genre tac. Parce que je vais quand même le rapprocher de son prochain level, ça fait plaisir. J'ai eu peur. Il fallait qu'il perde du moral. Et on n'a pas le flashback. Alors, on prend Ogero, Rosset, Murat et Davo. Ogero, direct. Attaque le canon à droite. Murat, il va en bas avec Rosset. Et Davou va soloter le haut. Donc là, on a trois vagues. Une wave au middle, une wave au top, une wave au mid. Où il y a des soldats qui spawnent à l'infini. C'est pour ça qu'on a mis un mid, deux bots et un top. Hein. On joue la League of Legends en fait. Ok, mets-toi par là s'il te plaît. Pouvez-vous capturer cette base? Oui, très bien.
Hop, on capture les trois bases adjacentes à notre base pour l'XP. Il en manque un, je crois. On va soigner Ogero à fond. J'aimerais bien ne pas qu'il se fasse attaquer par ce canon. C'est parce que ça me fait un peu chier. Viens là. Cours. Merci. Tu vas courir jusque là, s'il te plaît. Allez, entre les barrières. Parfait. Non, tu détruis les canons, s'il te plaît. J'ai pris un coup, j'ai mal. Défends-toi, s'il te plaît, tue-les. Les canons respawn à la boucle. Ok, je peux le soigner bien, ça va. Je voudrais juste qu'il détruise ça. Et on capture ça. Ok, c'était un peu lent, j'ai l'impression, mais ça va le faire. Non, 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 le canon! Casse-toi, pousse-toi, recule. Merci. Je pensais que le canon allait me tuer mes soldats que j'avais envoyés. Ok. Et j'ai pas eu beaucoup de morts, je crois. Je crois que j'ai eu genre 3 ou 4 unités mortes dans la mission. Ce qui est assez rare. 8? Bon, ça va encore. Alors, Ogero va être content. Pardon. Ogero va être content, il prend tout. Ok, petit gain de temps, ça fait plaisir. Alors, on prend l'âne Ogero Mura. Et c'est tout. On ne prend pas de quatrième personnage. Alors Ogero va soloter la base ennemie à lui tout seul. Comme un grand. L'âne et l'âne pour l'instant tout seul va se charger des bateaux là-bas. Mura va le rejoindre après. Mais Mura, faut que je fasse attention parce qu'il est très bas level. Général. Ok, faut que j'en place un plus derrière alors. Tu t'es vraiment fait 2v1? Putain, il s'est fait défoncer le LAN. C'est pas grave, il va affronter juste des petits bateaux après. Ok, occupons-nous de ces derniers trucs. Pour l'instant, on va remplir l'âne de bateau. Sachant que l'âne, c'est le général qui est, c'est le deuxième général niveau PV. Parce que le premier, c'est Ogero. Enfin, Ogero, c'est le premier partout, dans toutes les stats. C'est pas trop compliqué à se retenir. Ogero, c'est le meilleur dans tous les cas. Ok. Et on va faire le tour par la gauche et on va capturer la ville finale.
Ok, je pense qu'il est assez à gauche. Oui, c'est bon, il fait bien tout le tour. Donc là, on a un espion. C'est la deuxième mission où il y a un espion dedans. Mais vu que je capture aucune des villes au milieu, bah l'espion ne fait rien. Comment ça rentrer au camp? On a capturé qu'un seul spot, là. Enfin, que deux spots. C'est pas grave, encore. Plus que Murat ne fait pas son travail de garder la base. Allez, écarte-toi pour laisser de la place au bateau. Dernier bateau, s'il te plaît. Merci. Ça s'est fait. Ensuite, grosse mission. Alors Lan, j'aimerais bien qu'il soit un peu content. Donc on va lui donner un peu d'XP. Parfait. C'était à prévoir. Sûrement gagner du temps? Oui, 5 secondes. Allez, la prière. Inzaghi, Lan, Ogero, Rosset. Alors, direct. Rosset ici. Inzaghi, au-dessus. Ogero, la même, mais de l'autre côté. Vous quatre, mes amis, vous allez sur mon ami là. On capture la ville centrale. Donc là, on va les groupes de gauche et de droite vont affronter des boss en boucle. Donc, faut que je fasse surtout attention au groupe de gauche. Ogero peut se gérer, peut one-shot les ennemis là, avec un critique. Eux, par contre, ils vont vraiment galérer à en tuer un. Alors, tue-le s'il te plaît. Merci. Rapproche-toi du canon. Merci. Construis-le. Alors Lan est essentiel à cette mission. C'est grâce à Lan que cette strat est possible. Le fait qu'il puisse avoir 4 soldats sur lui permet de faciliter cette mission grandement. On va lui mettre les 4 soldats tout de suite. Hop, on va faire 3 à 4 tirs de canon. Faut libérer le maximum de place. Sachant que les golems survivent à un coup. Il faut 2 coups pour tuer les golems. Et que ces ennemis-là respawnent en boucle. Ok, j'ai pas touché celui-là du bas. Du haut, je veux dire. Oh merde, ils vont pas réussir à le tuer là? Si, ok, j'ai eu peur. Tiens, prends ça toi, ça va t'aider un peu. Parfait, parfait, c'est le moment d'y aller. Allez, allez. Merde, j'ai tiré avec le canon. Lan, rush. Oh, secours. Oh là là, j'ai tellement eu peur. Si je me tuais avec mes soldats, Lan et mes soldats, je pétais un câble. Ok, ça va. Ensuite, la mission la plus dure du jeu. Secours. Ok, Ogero, j'aimerais bien qu'il soit content pour la mission vu que c'est lui qui va faire le DPS sur le boss. Oh non, pas de ou sur Ogero. Nique ta mère le jeu! Ok, bon bah Ogero, full moral maintenant. Pour lui, ce sera que du moral prochaine mission.
Allez, c'est parti. Zegilan, Ogero. Non, Davo. Inzaghi, Lan, Ogero. Vite avant qu'il capture la base. Va recapturer direct. Qu'il capture une base random là. Ouais. Ok. C'est bien qu'il capture pas les deux bases random. Badabada. Préparer mon ami Lan avec des golems. Trois petits golems, ça va aider. C'est quoi le truc là? La thune. Ok. S'il vous plaît, défendez-vous, le laissez pas capturer. Un PE pour le soigner. Ok, il devrait mourir bientôt. Lan va soloter Jeanne d'Arc. Parfait. Inzaghi sur Jeanne d'Arc. Ogero, pareil, on envoie tout le monde au mid, de toute façon. Les golems lui font tellement mal, c'est tellement pété les golems. Hop, on va capturer les autres bases. Ah, je peux pas par là. Là, vous rapproche-toi des autres. Ne te mets pas à l'écart. Hop là. Alors toi, tu peux essayer de nous poursuivre, s'il te plaît? Ah putain! Il m'a fait peur. Bon, Inzaghi, est-ce que tu peux tuer la gargouille là? Qui m'embête. Allez, juste le dernier soldat et tu pourras retourner te cacher avec tes potes. C'est parti pour le boss, le plus dur du jeu. J'ai nommé Alexandre version 2. Tire! Ok. Ce qui fait peur, c'est les boules de feu one shot tout ce qu'elle touche. Tout ce qui touche ces boules de feu, c'est one shot. Il en reste une. Non, go à l'attaque là! Go à l'attaque! Ne branlez pas rien là. Fais des critiques s'il te plaît. On prend le bonbon. Ok, parfait, un critique. Écartez-vous! Hop là, il va faire réapparaître les boules de feu. Je pense que je suis plutôt bien placé. Ok, ça va pour l'instant, c'est bien.
Le critique sur la boule de feu n'était pas nécessaire. Go sur Alexandre. On n'a pas de chance, il fait pas le chemin du bas, qui est le plus long chemin. Du coup, on prend un peu moins de dégâts. Critique, très bien. Un autre critique, s'il te plaît. Garde-toi, il va faire sa boule de feu. Sachant qu'on peut l'arrêter avec Napoléon. On peut se mettre sur le chemin d'Alexandre pour qu'il s'arrête. Et si on fait ça, il va faire apparaître ses boules de feu sur le chemin. Ce qui rend le truc bien plus compliqué. Hop, on donne du moral pour qu'il tire plus vite. Ok, tu t'écartes, il va faire apparaître les boules de feu incessamment sous peu. Tu te mets au niveau de l'arbre après. Je te remets du moral pour que tu tires vite sur les boules de feu qui arrivent. Ça me fait peur de voir les boules de feu approcher aussi près. Ah, il fait enfin le chemin du bas. Je vais regarder comment ça se passe en bas. Ok, Inzaghi est bien. Davout a pris un peu cher. Lui, ses golems vont bien. Je vais soigner Davout. Je vais regarder vite fait au Géro. Vite. Et bien, c'était un super fight. Je vais gagner énormément de temps. Je crois qu'à part Nostradamus, tout le fight était parfait. Alors là, on va faire un excellent temps. Ça va être une bonne run, ça. Content de la run. Bon bah comme je l'ai dit, Ogero, il doit être content pour la fin. Faut que son moral soit à fond. Voilà, je veux que son moral il soit à fond pour le boss final. C'est pas grave pour Inzaghi et Lan. Et bam, 3 minutes de gagné. Alors, Ogero, Rosset. Ogero, direct, on l'envoie ici. Rosset, je vais faire ça tout de suite pour gagner du temps. Hop, 1 et 2. Il va se prendre le boulet. Je vais le soigner. Je pense que d'habitude je l'envoie une demi-seconde plus tard et du coup il se prend pas le canon. C'est pas grave. On peut le soigner. Je ne sais pas s'il pourra atteindre le niveau 18. J'ai jamais eu le niveau 18 encore sur Ogero. On le critique quand il reste un PV au mec, c'est pas le mieux. C'est pas le plus probant. J'aimerais bien qu'il s'occupe de eux là-haut. Plus vite en fait. Plus tu vite, plus je pourrais rapprocher Rossé plutôt en vrai. Allez, attaque et fait des critiques. Il y a moyen qu'il puisse perdre ici, je pense. Quoique, niveau 17 en vrai. Alors, deux critiques d'affilée. Trop de sang coule. Le canon est mort. Donc là, c'est une mission de type faut tuer tout le monde. Il a fait un critique, le canon est mort. On va attendre le tir de canon. Ok, Rossé, décale-toi. Ogero, remonte là-haut s'il te plaît. Chercher Rossé, je vais dire d'aller au bon endroit cette fois. Tac. Ok. Le génie. Construit ça. Je vais les envoyer construire. Même s'ils sont un peu loin du canon, ça devrait aller. Je vais chercher les deux autres génies.
Merde, non, non, faut que je l'attache à un général. À Ogero, pourquoi pas. Et à Rosset. Le second général me sert juste à transporter les génies plus vite, vu qu'il possède la vitesse du général quand on les équipe. Et c'était fin de mission pour Rosset, maintenant il ne sert plus à rien. Ok, le chemin qui te reste à faire, tu peux le faire à pied. Ok, tu finis le chemin à pied. Donc là, on va détruire le canon à droite, qui tire ici. Donc, le temps qu'on casse les barrières, on a le temps de se prendre des boulets, c'est un peu chiant. Ensuite, on va faire un tir sur les canons là, et un tir dans le tas là-bas. Let's go, Géro. Attaque-moi les gardiens de la porte des enfers. Des ennemis immobiles en plus, donc ils ne bougeront pas. Un critique, très bien. Un autre critique? Non? Ok. Allez. Très bien. Une mission où les gains de temps est pas non plus incroyable à faire dessus. Je pense pas que le niveau 18 soit atteignable là. Ah! C'est atteignable si je donne plus d'XP dans d'autres missions. Inzaghi, Lan, Ogero, Davou. Alors, Inzaghi tout de suite à droite solo, Lan là, Davou avec Lan, cavalerie lourde sur Inzaghi, ah j'ai fait trop tôt la cavalerie lourde, ouais, on était vite, ça peut passer ça, oui ça passe. Des golems sur Lan. J'ai plus de thunes. Ah bah non, parce que j'ai perdu un truc. Pourquoi pas un PE sur Lan, voilà. Ogero, tu vas avancer. Limite, tu peux avancer là, s'il te plaît. Mais non, mais qu'est-ce que tu branles? Oh putain. Ça m'a fait peur, là. Ligne à gauche. Sur le boss, parfait. Lancez Ogero crit, s'il te plaît. Il faut 4 crits pour tuer le boss. Sinon, c'est 40 attaques. Ok. Ah, chaque crit, c'est 10 attaques. Ça montre la puissance des critiques. Un autre critique. Allez, un dernier critique et plus que quelques attaques. Donc là, il devrait bientôt mourir, Inzaghi. Genre,
pas de critique. Ça fait chier. Ok, Inzaghi a perdu son soldat. Et c'est la mort. Et voilà. Pas mal. Comme quoi, écrire la route, ça permet de s'améliorer. Et voilà la mauvaise fin du jeu. Où seul Napoléon s'enfuit des enfers, tous ses généraux sont morts. Avec la bonne fin, tous ses généraux survivent. Il faut faire les 6 missions annexes pour avoir la bonne fin. Et si on veut la meilleure fin, c'est 7 missions annexes à faire. Ah, il m'a fait chier ce boss là. Ah, typiquement, j'ai au moins une minute à gagner sur ce boss. Facile. Le boss final. Jamais vous placer vos soldats comme ça sur contre le boss final. Parce que là, ils capturent vos bases et vous avez perdu. Voilà, maintenant, plus qu'à baisser le temps de la good ending et de la perfect ending aussi, que je dois apprendre. Alors, la good ending...